Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo car je vais enfin faire mon wax on my phone. Alors ça fait des mois et des mois et des mois que vous me demandez de faire cette vidéo. Alors j'ai enfin pris le temps et je vais la faire aujourd'hui. Coucou à tous. Alors oui, ça y est, enfin on va faire le wax on my phone. Du téléphone de Kélia. Ça fait vraiment beaucoup beaucoup de temps que vous demandez cette vidéo. Mais on n'avait jamais pris le temps de le faire. Donc là c'est bon, on a pris le temps, on va faire cette vidéo maintenant. Donc est-ce que t'es prête? Je suis prête. Alors on rappelle que Kélia a l'iPhone 11 depuis très peu de temps. Voilà, en couleur mauve. Alors elle a rajouté dessus un petit je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Pop socket. Voilà. Bref, voilà, et en fait c'est pour mettre sa main comme ça. Et donc elle l'a trouvé chez Claire's, si vous demandez. Il est trop beau. Et il est trop canon, il est tout pailleté comme ça en rose et violet. Hop, voilà, il est trop canon. Donc on va pas blablater plus longtemps. Et donc on va vous montrer les applications que Kélia a dans son iPhone 11. Alors elle en a pas mal, elle a pas mal de jeux aussi surtout, mais on va vraiment montrer les jeux coup de cœur. Elle va durer trop longtemps la vidéo sinon, donc on va essayer de voir ce qu'on peut vous montrer en détail sans que la vidéo dure trop longtemps. Et puis c'est parti. Allez, on commence. Bon, alors bien sûr, lors du montage, je vous mettrai sur la droite de Kélia l'écran de son téléphone. Et je te laisse commencer. Alors pour commencer, on a toutes les applications qui sont déjà sur notre téléphone. Alors j'ai calendrier, météo, qu'est-ce que j'ai d'autre, App Store, c'est pour télécharger plein d'autres applications. Ensuite j'ai Google, c'est pour aller sur internet, voilà, tout le monde connaît Google. Alors on l'a téléchargé je crois, parce qu'il n'était pas mis sur le téléphone. Ensuite j'ai horloge, c'est pour mettre mon réveil. J'ai calculatrice, c'est pour faire des calculs. Ensuite j'ai appareil photo. Alors l'appareil photo, elle est trop bien. Voilà, la qualité est juste dingue. Donc je te laisse montrer. Alors on a vidéo, ralenti, accéléré, ensuite on a portrait, ensuite on a une petite flèche. Vers le haut du téléphone, oui. On appuie dessus et on a... On a des filtres. Oui, voilà, ça c'est trop trop bien. En plus la qualité, elle est trop cool. Vraiment, je suis fan de ce téléphone. Ouais, trop, trop franchement bien. L'appareil photo est juste dingue. Bon, alors maintenant Kélia va passer à ses applications à elle, parce que bon, clairement hein, les applications qu'on a déjà sur le téléphone, c'est pas celles qu'on utilise le plus, donc c'est pas très intéressant. Donc je te laisse montrer tes applications. Alors j'ai Color, c'est pour faire des dessins ou écrire. Alors on peut choisir l'épaisseur, soit grand, petit, moyen, donc moi ça va être moyen. Ensuite je vais choisir la couleur. Et bien évidemment, je vais prendre du rose, on connaît par cœur. Donc on peut écrire mon prénom, dans les prénoms on peut faire vraiment ce qu'on veut. Oh mon dieu, j'ai un peu raté. On peut faire, voilà, on peut écrire, on peut dessiner, on peut faire vraiment plein de choses avec cette application. Et elle est vraiment plutôt cool. Bien. Voilà. Ensuite, j'ai Mojo, c'est pour les stories Instagram, pour que ça soit plus joli. Oui, en fait, c'est pour rendre les stories Instagram plus jolies. Donc, c'est vraiment super sympa. Ensuite, j'ai PixArt. Oui, voilà. C'est pour retoucher les photos. Voilà. Et ça, c'est vraiment super comme application. Alors, c'est plus moi qui l'utilise. Kélia l'apprend petit à petit. Mais voilà, c'est avec cette application-là que je fais les miniatures des vidéos, par exemple. Donc, cette appli est vraiment chouette. Trop, trop bien. Et elle est gratuite. Après, bon, il y a des options en plus qui sont payantes. Moi, clairement, j'ai l'application qui est gratuite. Et ça me suffit largement. Ensuite, j'ai Double Tac. Alors en fait on peut filmer devant et en même temps voir mon visage. Alors oui, alors Double Tag c'est une application qui est super chouette. Alors en fait on peut se filmer en selfie mais aussi filmer ce qu'on a en face de nous.
Ça fait deux objectifs en fait. Donc on va vous montrer ça, c'est vraiment super top. Par exemple, quand j'ai une surprise, ben on voit ma tête. Oui, alors en fait, c'est qu'Elia, admettons, on est à Disney. Elle veut filmer le château qui est devant elle. Mais elle peut filmer le château et en même temps se filmer elle. C'est vraiment super. C'est trop, donc bien. Ben on va vous montrer alors, ça. Alors on appuie sur une petite caméra. Oui, c'est un objectif en oui. fait, j'ai l'impression. Ensuite, on appuie sur le 8 et le B. En tout, il faut en appuyer sur 2. En fait, il faut appuyer sur 2 cadres. Ensuite, tu appuies sur confirmer. Et voilà. Là, on peut voir les deux. Donc ça, là, c'est trop, trop bien. Voilà, on peut voir ce que Kélia filme devant elle. Mais on peut aussi voir Kélia en selfie. Donc ça, ça c'est trop, trop, c'est vraiment trop, trop cool comme application. Alors, j'ai télé loisirs. C'est pour voir ce qu'il y a à la télé. Donc ça, c'est trop, trop bien. Ouais, ça, c'est top. C'est bien pratique. Voilà. Ensuite, j'ai Netflix. Alors, c'est pour regarder des séries ou des films. Et c'est trop, trop bien. Bon, alors... J'ai regardé une série qui était trop cool. Bon, alors, je pense que tout le monde connaît Netflix. Voilà. Donc, on peut l'avoir sur notre téléphone, sur notre tablette, voilà. Sur notre télé. Et donc, il y a là aussi sur son téléphone... et donc c'est vraiment bien, il y a plein de séries, il y a plein de films de ouais, tout genre. J'ai regardé Le Secret de Nick et c'est trop trop bien. Alors ouais, la dernière série que Kélia a regardée, c'est Le Secret de Nick. Et c'est trop bien. Elle a bien aimé, donc voilà. Ensuite on a Deezer, c'est pour écouter de la musique. C'est pour télécharger de la musique, pour écouter de la musique, donc ça c'est cool. C'est trop trop bien. Alors j'ai aussi Shazam. Alors, si vous écoutez une musique à la radio et que vous aimez bien cette musique et vous savez pas le titre, alors vous appuyez dessus et Shazam va vous dire c'est quoi le titre. Voilà. Alors, en fait, Shazam, c'est vraiment trop, trop bien comme application. Comme Kélia disait, si vous écoutez une musique à la radio... Mais vous ne savez pas du tout qui chante cette musique, ce que c'est le titre ou autre, vous activez Shazam. Et en fait, Shazam écoute cette musique oui. Et Shazam vous dit qui chante cette ça, musique c'est trop bien. Et le titre de cette musique. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Ensuite, j'ai les réseaux sociaux. Voilà, les réseaux sociaux. Alors, bien évidemment, j'ai mon Instagram. Alors, si vous le suivez pas encore, allez vous abonner dessus. Voilà, alors Instagram. Et tu as combien d'abonnés dessus déjà? J'ai 34 900. Voilà, et donc on est très actifs sur Instagram, on poste des stories, on poste des photos. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram. Ensuite j'ai un TikTok qui est en privé. Alors voilà. Oui, alors Kélia a un compte TikTok depuis peu. Alors il faut savoir que TikTok c'est compliqué car Kélia s'est déjà fait supprimer deux comptes fois. TikTok. Donc là elle a refait un compte TikTok mais on l'a mis en privé pour éviter que TikTok lui supprime une nouvelle fois. On verra si ça fonctionne ou pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas à lui faire des demandes. Elle accepte vos demandes avec grand plaisir. Ça prend du temps. Je crois que là, tu as plus de 300 demandes. J'ai 400 demandes. Voilà, donc on accepte les demandes petit à petit. Et puis, on répond aussi à vos commentaires de temps en temps dès qu'on peut. Alors, j'ai 4527 abonnés. Voilà, alors attention au faux compte. Celui-ci, c'est le seul vrai compte de Kélia. Oui. D'ailleurs, on a mis dans la description compte officiel, et je donc, crois. Sur donc. Ce compte TikTok, on a bien précisé compte officiel. Oui. Donc, faites attention aux faux comptes et aux comptes fans. D'ailleurs, Kélia a fait une vidéo sur son compte TikTok en disant que c'est bien son vrai compte et non un compte fan. Donc, faites attention en tout cas. Ensuite, bien évidemment, j'ai YouTube. Donc, voilà. Et vraiment, merci, merci, merci beaucoup pour les 144 000 abonnés. Vraiment, vous me touchez à cœur. Vraiment, encore merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Vous êtes déjà 144 000 à nous suivre. Bientôt les 145 000 d'ailleurs. Donc, merci d'être de plus en plus nombreux à nous merci suivre beaucoup. Sur YouTube. Nous, en tout cas, c'est un plaisir de faire les vidéos. C'est trop bien. Moi, voilà, j'accompagne Kélia dans ce qu'elle fait. Et puis, elle aime toujours c'est autant, je cool. pense. Hein. Alors, ensuite. Ensuite, j'ai Bitmoji. C'est pour créer mon emoji pour Snap. Voilà, pour créer ton emoji perso pour Snapchat. Donc, tu as aussi Snapchat.
quand on appuie sur la petite flèche. Alors pour Snapchat, d'abord je tiens à préciser, c'est le Snapchat perso de Kélia. Oui. Donc on ne le donne pas, c'est pour la famille et les amis seulement. Donc voilà, je tiens à préciser ça. Alors on a une petite flèche, voilà, on appuie dessus. Et on a 3D alors. Alors en fait, ça c'est que avec l'iPhone, avec l'iOS 13, je crois, c'est ça. Sur Snapchat, il y a donc le petit truc en plus, c'est le 3D. Et donc en fait, ça bouge. On prend une photo et en fait, je vais vous montrer de plus près. Et en fait, regardez. Hop, ça bouge. Ça fait effet 3D. Alors bien évidemment sur Snap il y a les filtres. Alors je vais vous en montrer quelques-uns. Vraiment c'est trop trop bien. J'adore celui-ci. Il est pas beau. Voilà. J'ai même Mickey et Minnie. Ensuite j'ai celui-ci. J'adore. C'est avec les lunettes tout se passant. Oh, trop cool. Ensuite, j'ai la maman, le papa et le bébé. Vraiment, c'est trop trop bien. Voilà. J'adore le fond de celui-ci. Bref, il a vraiment plein de filtres. Ouais, Snapchat, nous en tout cas, on adore. Hein. On adore. Ensuite, j'ai Live Count, c'est ça, je crois. Parce que moi, je vois pas l'écran du téléphone de Kélia, en fait. Donc, c'est je devine. Pour voir mes abonnés. Et en fait, c'est pour voir le nombre d'abonnés YouTube de Kélia. Ensuite, j'ai YouTube Studio. Alors, c'est pour voir mes vues. C'est pour gérer, en fait, ton compte Instagram. Ça, ton c'est compte. Plus maman. Voilà, c'est pour gérer ton compte YouTube. On va y arriver. Alors, j'ai Restauration, j'ai Uber Eats et McDo. Donc, voilà, tout le monde connaît. Ensuite, j'ai mes jeux. Alors, Kélia a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. Alors, elle va pas tous vous les montrer. Elle vous les montre rapidement comme ça, en swipant sur ses jeux. Mais voilà, elle va vous montrer vraiment ses coups de cœur côté jeux. Mais pas tous, sinon la vidéo, elle ne va jamais se terminer. Alors, tout le monde connaît Uno. Tout le monde connaît Uno. Ensuite, j'ai un super jeu de slime. Voilà. Alors ça, tu peux le montrer si tu veux. Donc en fait, on crée nos slimes avec le téléphone. C'est trop bien. Alors, on peut créer nos slimes dans le téléphone. Donc ça, c'est bien. C'est trop trop bien. Alors, je vais faire un fluffy. Donc je rajoute la colle. Je verse un peu d'eau. J'ajoute de la mousse à raser, bien évidemment. Pour un fluffy. Ensuite, j'ajoute le borax. Voilà. Ensuite, je mélange tout. Alors, je peux choisir la couleur. Vous savez très bien que je vais choisir le rose, hein, bien évidemment. Donc, voilà, je mélange, je mélange, je mélange. Et ça fait un slime. Et non, on peut aussi rajouter des décorations. Soit on en rajoute, soit on ne la rajoute pas. On n'en rajoute pas, pardon. On va y arriver à parler aujourd'hui. Je vais faire des glitters. Ceux-là, souvent on peut en mettre deux fois, mais moi je vais en mettre qu'une fois. Des décorations. Donc on crée vraiment son slime en fait. Oui. C'est vraiment trop bien. Avec le téléphone. Et comme ça, ça n'en met pas partout. C'est bien pour les parents. C'est bête que vous entendez pas le bruit. Ouais, on n'entend pas le bruit. Mais en fait, ça fait un peu aussi le son ASMR. Vraiment, on entend le bruit et tout. On appuie sur ouvrir et on peut soit avoir de l'argent ou soit. Oh cool! J'ai un nouveau slime que je peux faire. Eh ben génial! C'est trop. Donc trop on peut débloquer des petites choses. Oui, voilà. Donc ça c'est cool. À force des pièces. Alors j'ai un pou, donc tout le monde connaît le pou. Le jeu pou, alors en fait c'est un pou qu'on doit nourrir, voilà. Soigner, on doit prendre soin de lui. Et il y a des petits jeux aussi à l'intérieur à faire, donc voilà. Tu peux montrer rapidement si tu veux. D'accord. Donc là... Ah, oh là là, lui il est tout sale, ça fait longtemps que je ne me suis pas occupée de lui. Donc en fait on peut le laver, on peut le faire manger, on peut faire vraiment plein plein de choses.
Donc là, je vais le laver parce qu'il est tout cracra. Et à force de gagner des sous, on peut lui acheter à manger, le décor et tout et tout. Ensuite, j'ai Stick Roller. Alors en fait, c'est... Comment expliquer? Je ne pourrais pas t'aider car moi, je ne connais pas du tout ce jeu. Alors, moi, je ne connais pas du tout les jeux que Kélia a dans son téléphone. Hein, donc, je ne sais pas. Ensuite, en fait, c'est pour lui faire du roller. Mais si elle tombe, bah, elle perd. Par exemple, là, voilà, elle a perdu. Donc, en gros, en fait, elle fait du roller. Voilà, c'est ça. Ensuite, j'ai Drake Climber. Voilà. Bon, alors, Kélia est l'anglais, hein, c'est pas trop ça. Donc, excusez-la pour son accent anglais. Ensuite, j'ai Flissé. Un truc. En fait, c'est pour... En fait, c'est plusieurs parts. Il faut que tu te fasses des gâteaux en entier. Faut faire des gâteaux. Là, ça peut faire un citron en entier, une orange, voilà. D'accord, ok. Ensuite, j'espère que vous avez compris. Ensuite, j'ai l'Emeout. En fait, c'est un jeu de voiture. Donc ça, je vais vous montrer parce que je sais pas vraiment trop bien expliquer. Alors, vas-y, on te laisse montrer. C'est quoi comme jeu? L'Emeout. L'Emeout. Alors, ouais. Je sais pas ce que c'est, mais voilà, l'Emeout. Bon, en tout cas, vous voyez, hein, donc dans l'application de son téléphone. Vous avez juste à renoter en fait, voilà, pour alors, télécharger. Ok. Et en fait, dans celui-ci, on peut avoir plusieurs jeux inclus dedans. D'accord. Mais moi, ils sont encore bloqués parce que j'ai pas encore bien joué quoi, avec. En fait, on peut débloquer d'autres jeux, c'est ça? Voilà. D'accord. Donc, vraiment, moi, alors là, je sais pas du tout comment. Comment il va sortir? Oh mon dieu. Attends, si j'ai peut-être trouvé. Tac. Comment faire? Tac. Voilà, vous avez à peu près compris. Je sais pas si j'explique bien. On va dire que oui. Ensuite, j'ai collecte cube. Alors en fait, ça va tomber et vous devoir tous les ramasser comme ça. Qu'est-ce qui va tomber? En fait, c'est un modèle où on doit tout récupérer pour que ça soit d'une même couleur. D'accord. Ensuite, j'ai Duolingo. Alors, merci Chiara, grâce à toi, j'apprends l'anglais. Voilà, et puis elle en a besoin. On peut voir qu'elle a un accent anglais au top, Kélia. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est très important d'apprendre l'anglais. Parce que déjà, au collège, ben, on apprend l'anglais. En CM2, pas trop, hein. Non, pas trop. Donc, plus au collège, tu apprendras bien l'anglais. Sachant que. Alors, je te coupe, mais en fait, sachant que Kélia veut voyager. Bah, c'est très important de savoir parler plusieurs langues. Donc cette application est top. Est trop trop bien. Et en fait ça dit par exemple garçon. Et quand j'appuie dessus, ça dit après boy. Du coup on peut bien savoir ça veut dire ça, comment on le prononce. Voilà c'est ça. Donc en fait ça nous apprend par exemple fille c'est girl. Donc ça le dit, ça le prononce. Comme ça on sait prononcer le mot girl. Woman ça veut woman. Dire et ça se prononce woman, oui. Et non pas woman. Mais voilà, tu vas apprendre petit à petit. Donc merci Chiara. Ensuite bah j'ai Miraculous. Voilà. Ouais. Ensuite j'ai Course Tom, vraiment j'adore ce jeu, j'arrête pas d'y jouer. Il est trop trop bien. En fait, c'est comme si c'était un voleur qui récupère des pièces. Et lui, bah il essaye de récupérer des pièces. Pour qu'il puisse avoir un autre monde, pardon. D'accord. Donc je vais vous montrer. Donc c'est un voleur qui vole des pièces. Oui, c'est voilà. Ça. Du coup après quelqu'un, oups là, bah voilà, là je me suis fait éteindre par une boule. Donc bah je vais recommencer hein, pour un peu mieux vous montrer. Alors, oh mon dieu, est-ce que je vais y arriver? Voilà, donc je vais reprendre. Et j'ai fait un meilleur score, j'étais trop 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 contente. Vraiment. Plus on joue, mieux bah on est fort. Fort ou forte. Voilà. Alors, plus on joue et plus on fait des progrès. Et voilà. Donc, ensuite j'ai Stack Jump. C'est un petit bonhomme qui essaie de monter, de monter, de monter de plus en plus des étages. Ouais. Donc, voilà. Il faut pas se faire assommer par un étage qui vient. Sinon, on tombe et on perd. D'accord. Ensuite, j'ai Pref. Perfect Slice. D'accord. Voilà. Donc en fait, c'est pour faire des soupes. Des soupes. Je veux dire à manger quoi.
D'accord. Et moi, c'est un appareil photo, mon truc pour couper. D'accord, ok. Voilà, donc là, je suis en train de vous faire une partie. T'as encore beaucoup de jeux comme ça ou... Non, ça va pas beaucoup. Ok. En fait, si vous touchez les planches, bah, vous perdez une vitesse. Et plus vous allez vite, bah mieux c'est. Et aussi, vous pouvez avoir des trucs en fer. Oh bah là, je t'ai parlé quand je vous parle, mon dieu. Par exemple, là, j'ai perdu parce que j'ai touché un truc en fer. D'accord. Voilà. Ensuite, j'ai Roller Smash Mat. Donc, en fait, ce sont des billes qui se séparent. Ouais. Et il faut tout récupérer et on gagne. Voilà. Ensuite, j'ai Roller Splash. Splash. Je vais pas y arriver, je pense. En fait, bah, il faut réussir à tout mettre de la même couleur. Mais bon, ça sera mieux. Parce que moi, avec... Kélia et ses explications au top du top. Voilà pourquoi je l'accompagne dans ses vidéos. Vous comprenez maintenant? Voilà. Donc là, bah, je vais en faire un pour vous montrer. C'est pas toujours facile de savoir bien expliquer les choses. Donc, voilà, donc là, j'ai réussi à en faire un. Ensuite, j'en suis à putain de pain. Alors moi, clairement, je ne comprends rien au nom que tu dis des jeux. Heureusement qu'on peut les voir, bah, que les abonnés les voient sur leur écran pour les télécharger. Parce que alors moi, rien que j'écoute le nom, je ne comprends pas. Je ne pourrais pas le retaper. Alors, en fait, c'est plein de billes. Bah, alors moi, c'est des pop-corns et des billes. Pourquoi? Et en fait, il y a une couleur. Faut que tout soit de la même couleur pour gagner à 100%. Faut que ça soit 100% dans le pot. D'accord. Ah, il me reste plus que 6. J'ai une note finie. Ensuite, Art Ball 3D. Ça, j'espère que t'as compris ça. Art Ball 3D. Oui, voilà. Art Ball 3D. Voilà. En fait, c'est... Oh mon dieu. En fait, c'est un conchon. Un conchon. Un conchon. On va y arriver. En fait, c'est une boule. Ou ça peut être ce qu'on veut. Et en fait, ça doit être... Il y a plein de petites billes partout. Et si on touche le rouge, bah on perd toutes les billes qu'on a. Et si on les récupère tous, bah ça fait une peinture. D'accord. Et lui aussi, j'arrête pas d'y jouer. Oh non, attention. Non. Cette vidéo, donc, ça va être du n'importe quoi. Ensuite, des scars. Des... Bref, vous voyez sur votre écran. Hein? C'est Scarbit. Moi je ne vois pas, donc je peux même pas l'aider à dire ces trucs car je ne vois rien du tout. Donc en fait c'est un petit poussin ou ce qu'on veut. D'accord. C'est un truc jaune. C'est ça? Ouais, il est blanc. Pourquoi tu dis que c'est un poussin alors? Un poussin c'est jaune normalement, non? Je sais pas vraiment c'est quoi. Et on peut avoir un peu comme si c'était des poules blanches, des poules oranges, des poules violettes. D'accord, des poules de toutes les couleurs. Non, aussi on peut avoir des cow-boys, Captain America, voilà. Et moi j'en ai qu'un pour l'instant. Ensuite on peut changer les fonds. Donc, je vais faire une partie, hein. Vous allez mieux comprendre. Car moi et mon explication... Elle va être peut-être un petit peu trop longue la vidéo, hein, Miss Kélia. Hein. Ah, donc oui. Faut peut-être se dépêcher un petit peu quand même. J'ai un truc à... Et avec ça... Bah, on peut avoir des fonds. Et moi, j'ai sélectionné un fond mangé. Car au premier... Avec de la nourriture, c'est ça? Non, je veux dire, il est un peu cool. Bah, en fait, il est violet. Il est violet et rose. D'accord. Mais c'était comme si c'était un truc pour manger. Et au début, il est ultra moche. Donc voilà, je suis trop contente. Ensuite, j'ai peint porte 3D. C'est pas pop 3D. D'accord. Moi, mon explication et mon anglais. Pam pop 3D, c'est ça? Voilà. Ok. Donc en fait, bah, oh mon dieu, il faut faire toute une planche sans toucher le truc noir. Et si on le touche, bah, on perd. Et à la fin, on gagne un coffre au trésor. Bon, pour ceux qui nous suivent sur Instagram, venez nous dire si vous avez bien compris toutes les explications de Kélia. Ensuite, j'ai SI Game. Ouais. En fait, c'est des petites énigmes qu'on doit essayer de résoudre. Et moi, je suis au 25. Et alors?
Au level 25. Oui, voilà, au niveau 25. Ouais. Alors, il te faut 7 pièces rares. Pas intéressant. Ben, mon chapeau. Alors, je pense que je vais prendre quelque chose pour m'aider. Parce que sinon, je vais mettre une heure sur le niveau. Puis on va peut-être accélérer un peu, Kiki, oui. Parce que là, ça fait quand même 13 minutes que je te filme. Alors, là, avec tes jeux. J'ai Dry Arond. Arond. Voilà, un truc comme ça. D'accord. En fait, c'est pour dessiner des choses. D'accord. Donc, voilà. Et il faut vraiment pas toucher un truc noir, sinon, bah, on va perdre. Moi, déjà, je fais un bateau. Bon, heureusement voilà. Kélia vous montre tout. Hein. Moi, je ne vois rien de ce qu'elle fait sur son téléphone. Ensuite, moi, je verrai tout ça au montage. Il m'en reste encore deux. Disney Jetaya. D'accord. Je ne l'ai pas encore testé, mais j'avais sur ma tablette, donc il est trop trop bien. D'accord. En fait, déjà, l'image, elle est trop chou, car c'est avec un petit Stitch. Et en fait, c'est des personnages qu'on joue. Et plus on avance dans le temps, plus bah, on a des personnages. On peut très bien avoir un Stitch. D'accord. Et je vais vous remontrer le Slicé parce que vous avez rien compris, j'en suis sûre. Voilà. En fait, comment expliquer? C'est celui-ci que j'ai pas réussi à expliquer, donc bah, je vais vous montrer, au moins ça sera meilleur, vous allez mieux comprendre. Donc, en fait, il faut appuyer sur des carrés. En tout, j'en ai eu 6. Et dès que t'en fais un, bah ça va t'aider et du coup tu vas aller plus vite. Donc voilà. Et je vais essayer d'en faire un. Alors je te laisse faire. Ah cool, j'en ai réussi. Donc là j'ai plein de points. Et bubble tea. Bubble tea. Tea ou tea. Bref voilà. T-E-A. C'est comme studio bubble tea. Oui voilà. Bubble tea. En fait c'est pour faire des milkshakes. Des boissons. D'accord. Comme Starbucks. Donc on met des billes, des boules de chocolat. On met comment ça s'appelle? Le liquide. La boisson. Ouais, la boisson, le lait. Les glaçons. Non, moi il est rouge. D'accord. Après t'appuies sur appuyer et ça va te dire si c'est bon. Et j'ai eu un A. Voilà, et je crois que j'ai fini pour mes jeux. Et je pense que c'est déjà oui, pas mal. J'ai fini pour mes jeux. J'ai tout fini pour mon téléphone. Donc voilà, je pense que Kélia a fait le tour de ses applications. J'en ai beaucoup. Alors moi, je découvrirai tout ça lors du montage, car je ne sais pas du tout ce qu'elle vous a montré. Je sais pas. Moi, je découvrirai tout ça au montage. En tout cas, voilà, je mettrai tout ça sur la droite de Kélia. Comme ça, vous verrez bien tout correctement. Malgré les explications de Kélia, voilà, vous pourrez bien tout voir. Anglais. Et son anglais. Donc voilà, j'espère que bah, ça vous a plu de découvrir enfin les applications bah, que Kélia a dans son téléphone. Alors, sachant qu'elle vient juste de l'avoir, ça doit faire une semaine qu'elle l'a. Donc voilà. Mais, parce que j'ai pas encore fini avec. Hein. Je pense qu'elle va en rajouter d'autres. En plus, elle a une bonne mémoire. C'est un 128, je crois, de mémoire. Oui. C'est écrit derrière ta boîte. À 128. Voilà, donc je pense que tu as de quoi faire. Donc tu peux mettre encore des applications dessus. Donc bah voilà. C'est vrai, j'ai adoré cette vidéo. Bon matin, je vous fais plein de bisous. Mettez des pouces bleus surtout. Abonnez-vous. Ciao, ciao, bisous.